Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale découverte du site modedress.com. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce site qui est exclusivement destiné aux femmes. Alors le site propose un très très grand choix de chaussures pour femmes, de baskets, d'escarpins, mais aussi des accessoires et des sacs à main. Alors pour tout vous dire, j'ai été contactée par le site qui m'a proposé de sélectionner des produits. Sincèrement, je n'avais pas envie de dire non. Alors je sais que souvent ça fait polémique, mais voilà, je préfère être honnête avec vous. Et si vous aussi voulez être honnête avec moi, sincèrement, qui aurait dit non monsieur, enfin moi ça m'intéresse pas d'avoir des chaussures gratuites. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 paires de chaussures que j'ai choisies, ainsi que les 2 sacs à main. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite regarder. Le premier modèle, c'est celui-ci. Alors c'est une paire de chaussures compensées, de basket plus précisément. Alors l'effet de la basket, c'est un effet craquelé et... voilà quoi, je n'ai pas de mots, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors si vous regardez bien, j'adore, derrière... J'adore aussi devant. Alors moi en fait je suis de petite taille. Ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs, de petite taille. Non, en fait je ne suis pas très grande. On me le dit souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Amy, c'est toi qui es petite ou c'est les autres qui sont grands? Non, en fait c'est moi qui suis petite. Et du coup par rapport à ça, j'adore les talons. D'ailleurs je pense que même si j'avais été grande j'aurais kiffé parce que je trouve ça féminin. Et j'adore cette nouvelle mode de chaussures compensées. Donc je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis c'est soit vous êtes comme moi, vous kiffez, soit vous dites mon dieu ce n'est pas beau. Mais voilà, je trouve ça vraiment joli. La finition est vraiment très belle, parce que souvent quand le prix n'est pas excessif on n'est pas très content des finitions, mais là voilà, sincèrement j'adore totalement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon coup de cœur. Ces baskets. Le deuxième choix, je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord vu que c'est ces magnifiques escarpins. Alors là voilà quoi, je kiffe totalement. Alors comme vous le savez, moi et les escarpins, c'est une grande histoire d'amour et je les trouve tellement beaux. J'aime beaucoup le côté un petit peu or qui rappelle le début de la chaussure là. Ça fait comme de l'ornement, je trouve ça vraiment joli. Alors on est très à l'aise dedans, vraiment on marche sans aucune difficulté. Au niveau de la pointure, moi je fais du 37, d'ailleurs le site taille très bien, hein, tout est en taille 37 pour moi. Les escarpins en général, je les prends en plus petite taille, mais là pour le coup le 36 était trop petit. Troisième paire, on passe aux bottes. Alors c'est des bottes avec des franges, j'adore j'adore totalement ces bottes. Elles sont vraiment très agréables, on marche comme dans des chaussons dedans. Il y a un talon, hein, vous vous doutez bien que de toute façon des chaussures sans talon pour moi c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'adore. Hop là, donc ça c'est les petites chaussures. Je trouve que ça donne un petit côté cow-boy que j'aime beaucoup. Avant de vous montrer les 3 derniers modèles que j'ai sélectionnés au niveau des chaussures, je fais la pause sac à main. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, vous adorez les sacs à main, mais là voilà, j'ai adoré ce modèle là. Alors en fait j'ai pris un sac à main rouge parce que je trouve que c'est tendance. Je trouve que voilà, le bordeaux rouge en hiver, en automne, ça s'accorde vraiment bien avec la saison. Alors le sac à main, je trouve qu'il est un peu dans le style de la collection Céline. Alors il est vraiment très joli, il fait très qualitatif, il n'y a pas les coutures, c'est vraiment de la belle finition, il n'y a pas de petits, vous savez des fois il y a des fils partout, je trouve ça vraiment horrible. Je fais toujours très attention à ça parce que je déteste les trucs qui font cheap et là franchement pas du tout. Alors derrière en fait vous avez donc une l'ouverture, donc vous pouvez mettre quelque chose ici, voilà vous avez une petite pochette. Et pareil au niveau de l'intérieur ça se présente comme ça, donc vous avez... la petite bandolière, mais moi je m'en sers jamais, je mets toujours ça à la poubelle. Donc au milieu vous avez une grande poche, clac, vous avez la grande poche, vous avez ici une petite pochette pour ranger tous vos accessoires. Et ici les poches pour mettre le téléphone portable, éventuellement votre portefeuille. Donc voilà pour le premier sac à main que j'ai choisi et je le trouve vraiment joli comme tout. Et après j'ai choisi un sac, alors là attention, hein, c'est un sac beaucoup plus pailleté. En fait je me suis dit voilà, c'est Noël et au-delà de Noël c'est que lorsque je vais en shooting photo pour mon travail ou quand je pars en tournage, j'aime bien avoir toujours quelque chose qui me démarque un petit peu et je trouve qu'arriver avec des paillettes, en plus un mélange or et noir, j'adore le mélange de l'or et du noir, je trouve que ça
nous donne un petit côté chic, élégant, mystérieux. Bref, je suis totalement fan. Voilà, j'ai craqué sur ce sac, je le trouve beau. L'intérieur c'est pareil, il y a plusieurs pochettes. Donc voilà pour ce second sac. Donc n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez. Ça va, je rentre entièrement dans la caméra. En gros, moi j'ai pas de préférence. Je trouve qu'ils sont très jolis tous les deux, très bien finis, juste... On va pas les porter pour les mêmes occasions. Celui-là, c'est vraiment le côté chic, classe. Et celui-là, c'est plus voilà, le côté festif, joyeux. Et puis voilà, ça change quoi. Article 6, ce sont ces boots. Alors là, les boots, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très jolies. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais aujourd'hui, je porte un leggings en fait qui fait un petit effet sky, et je trouve que lorsque je mets un leggings effet sky avec des boots, ça me donne un côté rock. Vous savez, on peut la sortir avec un t-shirt tête de mort un petit peu long, un petit bonnet sur le côté, et tout de suite on a un look rock. Septième produit, c'est vraiment un coup de cœur, ce sont des boots. Alors moi, chaque hiver, j'adore m'acheter une paire de boots parce que je trouve ça trop mignon. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à un nounours, et j'aime bien ce côté boots en fait. Alors là, j'ai craqué total pour ce modèle. Je sais pas si vous aimez ou pas. J'adore. Alors, première chose, ce modèle est compensé, et que demande le peuple? Parce que encore une fois, comme je suis petite, moi c'est vraiment rare qu'on me voit à plat. J'ai toujours besoin de porter des talons parce que je trouve que lorsqu'on est petit, c'est important d'allonger énormément sa silhouette, et là pour le coup, je craque total. Et au-delà de ça, voilà, chaussures, enfin boots noires. J'aime beaucoup les sangles, et ce qu'on peut faire en plus, c'est hop là, on peut retrousser donc sa boots, ce qui fait qu'on peut avoir deux styles de boots en fait. On peut l'avoir en mode beaucoup plus en bottes quoi, un petit peu, ou sinon en voilà, en modèle plus petit. Donc je sais pas si vous aimez ou pas, je vous avoue que dedans on est comme si on était dans des chaussons. C'est vraiment très agréable à porter, et pareil, on peut les porter tout le temps, en plus c'est fourré à l'intérieur. Donc voilà, j'adore vraiment, c'est extrêmement agréable. Et pour finir, j'ai choisi un modèle de basket beaucoup plus simple. Comment vous dire, j'adore. En fait, elles sont fourrées à l'intérieur, donc idéales pour l'hiver. Et je suis en train de me rendre compte que mon vernis a sauté. Génial, mon dieu. Bon bah je vous avertis hein, parce que je pense qu'il va y avoir encore des commentaires. Le vernis c'est Chanel hein, donc merci. Je l'ai posé hier, génial. Bon, c'était la partie de la vidéo, mon dieu. D'ailleurs, si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vernis Chanel. En fait, c'est une catastrophe. Je trouve que leurs couleurs, elles sont magnifiques. Mais alors vraiment, mais la quali, mon dieu. Bref, je reviens à mes moutons parce que je me suis un petit peu égarée. Bon, vous me connaissez. Ce modèle de chaussures, alors j'adore. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment simples. Pareil, ce sont des baskets compensées, et j'adore les baskets compensées. Elles sont vraiment très agréables. Et en fait, moi, ça fait... je pense que ça fait quand même 3 ans. Ouais, 2-3 ans que j'ai ce modèle-là. Alors bon, il fait un peu... la tête, hein, il a même fait la guerre, je crois. En fait, ces chaussures, elles m'avaient été offertes par ma petite cousine chérie, ma petite Ornella. Elles viennent de Marseille. Et en fait, ma puce, elle me les a offertes. Je les adore total, j'arrive pas à m'en séparer. Et je ne trouve pas de modèle. Enfin, je les retrouve pas, en fait. Je suis un peu dégoûtée. Je les ai jamais trouvées sur Paris, ni sur les sites internet. D'ailleurs, si vous voyez ce modèle quelque part, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos parce que j'aimerais bien les racheter. Et du coup, voilà, il fallait que je les change. Et voilà, j'ai trouvé vraiment, comment dire, une paire qui est pas vraiment similaire mais que je trouve aussi très jolie. J'aime beaucoup déjà ce côté rembourré, comme ça, ça va bien me tenir chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'aurez pas pris cette vidéo pour un sponsoring, car ce n'est vraiment pas le cas. Voilà, j'ai juste craqué totalement sur ce site que je trouve vraiment très qualitatif. Je trouve que le prix est abordable, la qualité est là, et ce n'est pas toujours le cas sur internet. Donc voilà, quand c'est bien, faut le dire. Je vous mettrai de toute façon tous les liens du site en barre d'infos. J'ai aussi réussi à vous avoir un code promo de 10%, c'est toujours ça. Le code, c'est Noël 2014, il est valable jusqu'au 31 décembre si je ne me trompe pas de cette année. Que vous dire d'autre? Eh bien, je tenais à vous remercier. Merci vraiment d'être de plus en plus nombreux chaque jour, de me soutenir, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est difficile. Franchement, je suis comment vous dire, estomaquée, choquée, et vraiment je suis
dégoûtée par la mentalité de nouvelles youtubeuses, parce que je me doute que en nous regardant ça vous donne envie de faire des vidéos, mais s'il vous plaît, quand vous faites des vidéos, ne faites pas ça pour la gloire, ne faites pas ça pour gagner de l'argent, ce ne sont pas des bonnes raisons. Quand j'ai commencé YouTube, alors je reviens là-dessus, en 2009, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas de partenariat, il n'y avait rien. J'ai toujours fait ça pour le partage et je suis vraiment peinée de voir qu'on me mélange avec ce genre de youtubeuses qui sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi comme partenariat. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, désolé c'est franc, mais vous connaissez ma personnalité. Sérieusement, si j'avais envie de me faire de l'argent, j'accepterais tout et n'importe quoi. Pour tout vous dire, on m'a proposé un partenariat pour un site de rencontre que j'ai d'ailleurs vu sur énormément de chaînes, surtout sur la chaîne d'une youtubeuse qui dit qu'elle ne fait aucun partenariat. On m'a proposé 5 000 €, sachez-le, et je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que je ne suis pas comme ça. Je fais vraiment ça pour le partage, donc s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Si vous ne m'aimez pas, je le comprends, si vous n'aimez pas ma tête, si vous n'aimez pas mon travail, s'il vous plaît, juste désabonnez-vous. Je ne fais pas ça pour la gloire, je ne fais pas ça pour, pour être critiquée. Voilà, moi je suis dans le partage, j'aime profondément ma communauté, ils me le rendent bien. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous faire des ennuis sur les réseaux sociaux. Tout simplement, vous vous désinscrivez et vous tracez votre chemin. Voilà, je supporte vraiment pas qu'on remette en cause mes compétences, mon travail, les professionnels avec qui j'ai collaboré. Non, il faut vraiment arrêter tout ça. Merci. Quand je fais des partenariats, c'est dit, comme aujourd'hui, c'est un partenariat. Oui, on m'a envoyé les produits. Oui, j'ai eu un code promo pour vous. Je ne touche absolument rien pour ce code promo. Faut vraiment arrêter tout ça. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo prochainement sur les partenariats et la monétisation sur YouTube pour remettre un petit peu tout d'équerre. Si cette vidéo pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que, encore une fois, question franchise, il n'y a aucun souci et surtout vraiment je vous assure que c'est insupportable, même plus qu'insupportable de se voir mêlé à des choses où on n'y est pour rien et j'en ai, marre. Voilà, donc c'était un petit peu le petit message que je voulais vous faire passer, mais le plus gros message c'est vraiment merci à vous, à mes warriors, de me soutenir coûte que coûte, parce que franchement j'ai fait face à des folles, sérieusement à des folles, pour ma dernière vidéo qui était le maquillage du moment. Je l'appelais californien parce que je savais pas comment l'appeler, je vous mettrai d'ailleurs le lien ici si vous voulez aller voir. Et je me suis fait tellement critiquer. Écoutez, si j'avais envie de faire un cut crease qui n'était pas estompé, je fais ce que je veux, que ça vous plaise ou pas. Écoutez, pas de soucis, vous aimez pas, c'est bien, mais ne me dénigrez pas, je ne supporte pas qu'on me dénigre, voilà. Ou sinon tout simplement, croisez-moi dans la rue, venez me le dire en face, on en discute, c'est très facile d'écrire derrière un ordinateur, venez me voir en face en général, ça ne se passera pas comme ça. Voilà, je suis quelqu'un de très patient, de très tolérant, de très gentil, mais voilà, le dénigrement je ne supporte pas, et surtout les petites mesquines, ces nouvelles youtubeuses qui se sentent obligées de venir taper sur les anciennes parce qu'elles ont un problème de popularité, comment vous dire, vous êtes détestable. Vous êtes ridicule et vous êtes pitoyable. Quittez YouTube. YouTube, c'est un partage. On s'entend toutes bien. En tout cas, on essaie de s'entendre toutes bien. Et je trouve ça, voilà, misérable de votre part d'aller taper sur moi, puisqu'en l'occurrence, c'est moi qui ai été visée. Voilà. C'était le petit message, donc je vais arrêter maintenant de me plaindre parce que je sais que ça va sûrement encore faire polémique, mais après tout, ce n'est pas grave, je suis libre de dire ce que je veux. Encore une fois, ici, c'est ma chaîne et aussi la chaîne de mes warriors, donc je vous envoie à tous de très très gros bisous. À très bientôt, ciao ciao. Hey, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai aussi créé ma propre application mobile. Alors c'est une application qui regroupe tous mes réseaux sociaux et grâce à cette application, je peux t'envoyer des petits textos, des petits poches. Voilà, ce sont des poches exclusives. Donc si jamais ça te tente, eh ben n'hésite pas à cliquer sur la vidéo.